Tu penses qu'il y a quelque chose dans notre... Je pense qu'il faut qu'on augmente de niveau, les gars, pour refaire la gueule d'argent. Il y a un autre groupe de gens fortunés et masqués qui convoitent cette vie. Nous y voilà. Alfred vient de tomber en plein dans le piège de Robin. Matt en deux coups. Quoi? Mais comment? Vieille tactique. C'est comme ça qu'Alfred gagne. Montrez-moi. Robin doit trouver sa méthode pour gagner. Robin trouve ça plus dur comme ça. C'est une sectante super courte. On va reprendre Batgirl, les gars, on va continuer. Mais franchement, pas évident, les gars. Pas évident. À mon avis, Gueule d'Acier, on peut pas le battre tout de suite. Hein. On va regarder ce qu'il y a d'autre comme mission. Allez, on va faire le docteur. Avant, je n'aimais pas la personne que j'étais. Mais maintenant, je suis libre. Vous pouvez l'être aussi. Hé, hey, venez voir un peu ça. Dick, c'est à l'envers. Je m'en occupe. Les boss sont vraiment balèzes, les gars. Harley est une psychiatre. Pourquoi est-ce qu'elle vend des bracelets magiques? Des compléments? C'est quoi un œuf Karmalux? Mais qui achète ces saloperies? Elle sait que ces trucs ne fonctionnent pas. Alors, c'est quoi son but? Que la majorité des gens de Gotham voient ou commettent des crimes chaque mois. Enfin, statistiquement parlant. C'est quoi le rapport avec le reste? Elle leur vend de l'espoir. Oh merde. Rendez-vous ce soir au Monarque. J'ai une annonce tout simplement détonnante, rien que pour vous. Je crois qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Ah, on aurait dû faire breveter le bat-signal. Vous voyez ça? En effet, il semble que le docteur Quinzel a fait de l'événement un spectacle. Quoi qu'elle prépare, ça va faire mal. Soyez le fou que vous voulez être. Sans rire. Oh putain, la base, c'est cool! Batgirl, c'est un honneur! Moi aussi, je vais le faire! Paria a embouclé le monarque en entier. Je vois pas trop comment je peux entrer.
Il y a une ancienne entrée, il me semble. Je doute que les parias la connaissent. Est-ce que je vous demande comment vous le savez ? Un vieil acteur ne dévoile jamais ses secrets. Allez, on va passer par là. Ça devrait être ça. Connu des jours meilleurs. Je suis qui ? Tu ressembles pas à Batman, mais si tu te laisses pousser les cheveux, tu pourrais jouer Batgirl. Venez voir, il y a une canne ici. Oh. Les ralentis comme ça, les gars, je les kiffe. Vraiment. Oh, ce qu'elle prend, hein. La musique. Avec les combats, ça va trop bien. L'effroi. Les labos d'Aguette n'ont pas été braqués récemment. Pardon, les gars. C'était Harley. Quasiment toutes les substances sont dangereuses entre ses mains. L'effroi, toujours aucune trace de bombe, mais il y a encore des caisses vides de baguettes. Dis-nous si tu trouves quelque chose. C'est troublant. Sur les renforts. Nos peurs décidaient pour nous. Elles étaient notre moteur. Moi je dis, qu'elle aille se faire foutre, la peur. Oui. Choisissez d'être différent. Faites vos choix. Choisissez de rectifier votre vie. Arrête. Je me rapproche maintenant. On a un grand final à préparer. Je t'ai eu. M'en fous! C'est pas ma faute si Harley t'en veut! Oh les gars, enchaîne! Les pauvres. Qu'on appelle un perfect, les gars. C'est l'heure de la sieste. Ah, en plus, c'était la mission, j'avais pas vu.
Ça fait beaucoup trop de mannequins. Faire combien? Deux? Encore deux? Et sans regret, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous devenez le meilleur de vous-même. Le fou que vous ne pensiez pas pouvoir être. Le théâtre doit être bondé. Ok, toi, plus qu'un dernier, c'est bon. Plus que toi, ouais. Hop là! On lui a mis, les gars. On l'a brisé. Vers les queens. Peut-être trop alors du coup. Ah ben voilà. Une très jolie l'ambiance en tout cas. Voir ce qu'il y a derrière la porte numéro 1. Très très sympa l'ambiance. Sommeil en vous. Oh. Oh, regardez, une graine de héros qui veut m'empêcher de vous aider. Qu'est-ce qu'on lui dit? Pas d'inquiétude. C'est pour cette raison que j'ai conçu ceci. Ce truc rikiki. Vous donnera le courage de faire tout ce dont vous avez toujours rêvé. Un implant pour vous aider à conquérir le monde. Ça s'annonce mal. Ne la laissez pas vous implanter un dispositif médical inconnu. Je parie que vous voulez le voir à l'œuvre. Oula! Stylé? Pourquoi ne pas faire une petite démonstration? Vous êtes lancé une nouvelle mode ou quoi? Geoffroy, est-ce que les données de scanner peuvent nous dire à quoi sert cette puce?
Il ne semble pas y avoir d'implant sur cette énergie. C'est une bonne nouvelle. Enfin, j'espère. Il est baraque, lui, hein. Un autre modèle renforcé, maman. Et si on faisait un nouvel essai? En fait, on est là pour faire des tests, quoi. D'accord? On continue. Oh, je suis sûr qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. Je crois que ton produit n'a pas résolu leur problème. Ça nous a permis de te faire venir ici. Pas vrai, mes fans chéris? Pas vrai, mes fans chéris? Les bombes.
Lancement du protocole Echo. Oula. B3, est-ce qu'il est possible de désarmer ces bombes à distance? On dirait qu'elles sont sur un circuit fermé. Vous allez devoir les désamorcer manuellement. T'as eu ton diplôme de criminel? Tu crois que Thomas va te trouver? C'est fini de jouer maintenant. Plus en plus de bombes, putain. Viens, je t'attends.
Ouh! Eh bien, ça demande le mouvement, hein! Vous avez tellement bien travaillé, je suis fière de vous! Prenez votre implant gratuit auprès de mes chers associés en sortant. Le docteur Q a quitté le bâtiment. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire qu'on est tous vivants. Plus rasoir, tu meurs. Oh, t'en fais pas, ça va bien se passer. J'ai une dernière petite surprise, rien que pour toi. Encore ? Un F pour avoir gâché la soirée entre filles ? C'est pas moi qui ai apporté les bombes, Harley. Ok. J'espère que vous n'avez rien cette fois. Barb, pense qu'il y a quelque chose dans notre eau ? Comment ça ? Tu sais, il y a un autre groupe de gens fortunés et masqués qui convoitent cette ville. Juste au cas où, je vais voir ce que je peux trouver dans les archives de la ville. Je plaisantais pour... C'était une blague. Trop tard, tu m'as mis l'idée en tête. Je dois vérifier maintenant. Il faut arrêter Harley. Elle s'en prend à des innocents. Et on sait toujours pas ce qu'elle cherche à faire. Il me semble que c'est le docteur Q qui sème tout ce chaos. Non ? C'est bien ce que j'ai dit. Oh, bien sûr ! Si on ruine l'empire du docteur Q, Harley pourra plus faire de mal à personne, peu importe quel pseudo elle utilise. Voilà qui me semble être un plan raisonnable. Merci, Alfred. Au choix, Alfred. Parce que je fais ça.
Ok. Donc après. Donc faut que je mette, les nouveaux. Ah, ça gronde bien ma force, les dents. Ah ouais, mais attendez, les gars. Rien à voir. Combien moi j'ai niveau combien là? Niveau 12, ah ouais. Là je peux faire un truc niveau combien? Niveau 14. En fait, il vaut mieux prendre celui-là que celui-là. Parce que celui-là, il va pouvoir être boosté beaucoup plus. Après, ouais. Ouais, non, tac. Et voilà. 351, les gars. Waouh. 351, on a pris. C'est énorme. Au rank toxique. Et là, on a quoi? Niveau 10. Et là, niveau 10. Et là, si on prend ça. Ah ouais. On va prendre en poison. Du coup. Ah ouais, mais regardez la différence, les gars. Ah ouais. ...335 de dégâts. Ouais, c'est non négligeable. C'est comme tenu à 80... Tenue en vrai, ça se réfléchit. Niveau 11, et l'autre, c'est combien? Il communique combien la note? Niveau 12. Ah, ça se réfléchit, les gars. En vrai, je me tâte à prendre ça. Avec deux. En vrai, là j'ai 92, si je mets deux modes. Regardez les gars. C'est un supérieur, hein, pour le coup. Tac. C'est foutu, Ninja. C'est foutu, Ergo. Il me donne envie de... Ah ouais, mais regardez. C'est ce que je vous disais, les gars. Niveau conseiller. Ah, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai fait ce niveau, en fait, les gars. Ah ouais, non, mais d'accord. J'étais que niveau 14 et j'ai fait le niveau. C'est pour ça que j'y arrivais pas.
Il vous conseillait, donc ouais, faut attendre un peu. On va faire lui. Ah ouais, les gars, c'est pour ça, moi je m'amuse à faire des niveaux, il faut être niveau 20. Les prérequis sont pas du tout là. C'est pas que j'arrive pas à le tuer, en fait. Mais gueule d'acier. Le poison, c'est pas mal, hein. Wow. C'est trop fort le poison, les gars. En vrai, un petit feu, tu s'éteins, quoi. Oh. D'autres régulateurs doivent être à l'intérieur. Il est temps de découvrir ce qu'ils cherchent. Ok. On va rentrer, hein. Je sais pas ce qu'il va nous attendre. Mais... Encore un labo? Je me demande ce que Freeze prépare. Donc Freeze a construit sa machine ici. Ouais. Et on peut prendre tout ce qu'on veut? Ouais. Je me sens comme un gosse dans un magasin. Celui-là, il a eu son compte. Bonne nuit. Ouais, c'est bon. Y'a rien Il est où le dernier? Ah oui, il est en bas. J'entends des coups. Il y a un survivant là-dedans. Quelqu'un a vraiment voulu renforcer cette porte. Je sais pas ce qu'il garde ici, mais apparemment, ça vaut le coup d'être protégé. Je sais pas si c'est une bonne idée d'ouvrir, les gars. Pas sûr, hein. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Voilà. Scientifique. Ils l'ont tué.
pourquoi il voulait atteindre la console. Scientifique mort. À quoi vous jouez, Freeze ? La carte d'identité trouvée sur le corps indique Dr. Theodore Upshot, chef de la recherche cryogénique. Victor a fait ce qu'il a fait, malgré les dangers. Je peux très bien dire que je n'ai fait que l'aider, mais en vérité, je l'ai aidé. Je suis coupable. La machine que nous avons créée est instable. J'ai insisté pour avoir un plan B. Un brouilleur au cas où Victor voudrait jouer les dieux avec la machine. Victor s'est énervé pour le brouilleur. Il a demandé si j'avais perdu la foi. J'ai caché l'appareil au lieu de le détruire, car j'ai peur de lui et du potentiel de ce que nous avons créé. Si vous écoutez ceci, pitié, pardonnez-moi. Chercher des indices dans le coffre. Je devrais analyser le corps d'Upshot. Ça pourrait m'aider à savoir ce qui s'est passé. Et qui est Upshot ? Qui sait Upshot, les gars. Vu sa carte, c'est le docteur Kellen Lee. Freeze ne fait pas de prisonnier. Ah, pas qui sait. Je vois pas qui c'est qu'il faut, ce qu'il faut faire, les gars. Ah, c'est frustrant des fois quand on cherche comme ça. Ah, bon voilà. C'est ça en fait. Le docteur Upshot a caché une sorte de plan B dans son bureau. Ça vaut un coup d'œil. C'est sûr que c'était là. Je parie que le plan B est toujours par là. Un faux plancher ? Pas ce que c'est, mais... Beffroi, on dirait que le scientifique qui a construit la machine de Freeze a aussi construit un brouilleur. Ça nous sera utile pour l'arrêter. Je le ramène. Bravo, nous vous attendons au Beffroi. Ok, d'accord, ça s'arrête comme ça la mission. Ouais, yes, un niveau de plus, les gars. Bon.
Beau travail avec les masques enregistreurs, Tim. Grâce à eux, on a peut-être une chance d'arrêter ces types. Merci, Barbara. T'as fait du super boulot avec la reconstruction de l'année. Les geeks à la rescousse. Comme d'hab. Je vais regarder, vu qu'on est au niveau supplémentaire, les gars, on va regarder. Est-ce qu'il y a d'autres choses à créer? Ah! Non, il n'y a qu'un seul Clio. Ah oui. Les gars, 365 de dégâts. Dans l'inventaire, c'est celui qu'on a déjà. Okay. Et la distance, du coup. Bon, vaut mieux notre truc. Voilà, on est bien là. Par contre, on a un PC là, du coup, ok. Ok. Bad girl utilise son grappin pour tirer. Ouais, pouf. Je sais pas trop ce qu'on doit garder, je pense. Par contre, j'ai débloqué un nouveau truc. Bad girl frappe le sol. Frappe le sol deux fois avec son. D'accord. Brise garde. Ça peut être intéressant, brise garde. Augmente les dégâts, les chances de coups critiques, les dégâts. Ouais, bien, bien. La défense de Batgirl de 20% plus accumulation d'effets. Ah, ça peut être pas mal, ça, en vrai. Ok. Du coup, bah, on va aller faire la mission l'autre, les gars. Mister Freeze. Parle à Alfred. Il est où l'Alfred, les gars? Il est là. Non, il est pas là. Il est là. Ça, vous voyez, c'est abusé, par exemple, ce genre de petit bug, là. Le discret. Avez-vous trouvé quelque chose sur Mr. Freeze dans les labos Quartz? Non, mais au moins on a le brouilleur. Je sais pas ce que Freeze a prévu, mais il voulait tuer le docteur Upshot pour le garder secret. Si on découvre ce que Freeze a pris dans le labo, on aura une meilleure idée de ce qui nous attend. On va s'en sortir. Et toi, t'as plus d'un tour dans ton sac, monsieur l'acrobate. C'est vrai. Des tours, des acrobaties. J'aurais fait un bon assassin. Pas sûr. Personnellement, de l'ombre. Tu m'as surpassé. On a une dizaine de victimes congelées sur place. Envoyez des secours, immédiatement. À toutes les unités, fusillade en cours au centre Elliott. Accident multiple, trop nombreux.
Oula. Est-ce que la météo a parlé d'une période glaciaire ? La température a chuté de 15 degrés en quelques minutes. Un front d'air froid intense. Non, ça fonctionne pas comme ça. Pas sans un coup de pouce. Freeze. Freeze peut changer la météo ? Freeze peut changer la météo. La tempête est localisée autour du centre Elliot. On doit tout de suite y aller. On doit tout de suite y aller, les gars. Il change la météo, Mr. Freeze, il est fort. Hein. Ah ouais! Pas mal! Regardez l'ambiance, les gars. Oh, c'est stylé! Oh, le jeu, franchement, il est pas mal, quand même. Waouh! Il est tellement stylé. C'est vraiment stylé, hein. Elliot est piégé dans la glace. La source du problème est située sur le toit. C'est sûr que c'est fini. Je vais me rapprocher. Le GCPD ne peut pas gérer ça seul. La tempête se renforce. Je vous recommande de vite trouver un accès au centre Elliot. Je crois qu'on peut remercier l'hélico du GCPD. On va trouver un coin, les gars. On va trouver un coin. Très joli l'ambiance en tout cas. Ça fait tellement de dégâts ça les gars, le poison. Regardez ça. Ici, P3. Le GCPD annule l'hélicoptère du fait de la sévérité de la tempête. 5 sur 5, P3. C'est à nous de jouer maintenant.
Ah ouais, on se démerde, nous. Toujours. Mais quoi? C'était quoi, ça? Le poids de la glace peut rendre le bâtiment instable. Bien reçu. Il faut atteindre la machine météo. Dépêche-toi. On dirait le cœur, tu sais. Complémentaire. Ah bon. Si quelqu'un se demande, c'est ce que je voulais faire. Vous voyez, la tenue, c'est stylé, regardez, même la tenue et tout, elle est sale. Elle est gelée. C'est vraiment bien fait, hein, franchement. Il y avait encore des visites en cours quand Freeze est arrivé. Ils sont morts. J'entends quelqu'un. Là-haut. Reste hors de leur vue. Allez, plus que deux. On devrait pouvoir y arriver, je pense. On a failli se faire choper. Allez, tourne. T'abuses là? Allez, tente-toi. Ouais, merci, monsieur. Dors bien. Du coup, il faut aller là. Ok. La prochaine porte. Ok. C'est pas le meilleur moment pour prendre l'ascenseur. Tu préfères les escaliers? Allez, on grimpe. C'est
câble au sol. Je parie qu'il mène vers Freeze. Allez. Dites-moi, quelle est la situation? Nombreuses victimes et température en baisse. Il faut qu'on l'arrête. Vite. Très beau en tout cas. L'ambiance est magnifique. J'y suis presque. Waouh, regardez ça les gars. Comment c'est beau. Franchement, regardez le jeu les gars. Vous voyez que c'est quand même beau. Ça sent la cinématique les gars. J'enlève ma cam. Stylé, les gars. Éloignez-vous de mon générateur de tempête. Faut pas trouver mieux comme nous. Tu devrais vraiment t'éloigner de ce toit avant que le brouilleur s'active. Fais-moi confiance. Peu importe. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Une tempête s'est levée sur Gotham. Et rien ne pourra l'arrêter. Le pipe, les gars. Regardez les dégâts qu'on fait les gars, avec le poison. Vas-y bébé. Comment ça marche les gars là? Le froid se brisera. Regarde quand ta main est tombée à pied. Les dégâts qu'on lui fait là les gars. Je vais prendre
mon plaisir à te voir geler. C'est la mort qui t'attend. Le brouilleur de champ est presque chargé. J'ai peur qu'il reste peu de temps avant son déclenchement. Regarde, Gotham sans Batman. Un désastre. Une cause perdue. Ils sont vraiment bien les bots, les gars. Franchement, je kiffe le jeu. Merde. Ah, c'est abusé là. Oh, c'est abusé là. What? Oh, ça vous va, les amis? Le combat n'est pas terminé. Comment on fait pour éviter ça, là? C'est pas le moment de jouer. Il est temps d'en finir. Tu n'es pas de taille. Oh là là. Oh, ça a pris de ouf, les gars! Ça a pris de malade! Non, mais faut y arrêter, oh! Le droit est encore fort! Mais ça. Elle se prend pour Batman! Oh, ça a pris de ouf, les gars! Je vais prendre plaisir à te voir chez vous. Oh, ça pue de fou, les gars. Tu as déjà perdu. Je vais prendre plaisir à te détruire. Aïe. Par contre, à un moment, c'est abusé. Comment on fait pour esquiver? On sent les boss sont pas simples. Il est temps d'en finir. Elle se prend pour Batman. Personne ne peut m'échapper. Système opération. Par contre, le gars, il nous met tout, hein. Assommé, gelé... Je vais prendre plaisir à te détruire. Je vais prendre plaisir à te voir geler. Thank you.
ne pourra t'arrêter. Par contre, c'est abusé, merde. Pourquoi il me touche, là? C'est incroyable. Ah ouais, je devrais me dire, oh. Arrêtez les conneries, là. Franchement, les boss, c'est vraiment des boss, quoi, dans le jeu, moi. Vraiment, les gars. Même si ça fait un peu rager, faut avouer qu'ils sont quand même balèzes. Heureusement pour vous que ce truc comporte une sécurité. Ok, préparez-vous. Réinitialisation système réussi. Cryogène activé. Freeze, est-ce que vous m'entendez? Il fallait me laisser mourir. Ça aurait été bien plus simple pour vous. La machine météo est désactivée et la tempête s'estompe. Il a dit que j'aurais dû le laisser mourir. Mais ça ressemblait à une menace. Victor a toujours eu le potentiel de semer le chaos à Gotham. Jusqu'à ce soir, une stupéfaction l'en empêchait. Et maintenant, eh bien, on remplace son humanité. Ben voilà les gars. C'est réussi. Je ne vous attendais pas si tard. La discrétion ne semble plus être la priorité de la Ligue. C'est clair. Depuis quand ils utilisent des roquettes ? Sans Ra's al Ghul.